Pourquoi t'as fermé? Oh non! Annabelle! Bonjour, c'est Amdalevo, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui les amis, on n'est pas là pour une vidéo comme d'habitude ou là pour une vidéo particulière, parce que cette vidéo est vraiment très spéciale et je vais vous expliquer pourquoi. Alors du coup, ça fait quelques jours que sur Los Angeles il se passe des phénomènes étranges. Ou alors en tout cas si c'est pas forcément Los Angeles, c'est chez moi en tout cas. Alors je vais vous expliquer encore une fois cette nuit qu'est-ce qui s'est passé. Alors du coup je vais vous montrer ça, donc j'ai mis une protection chez moi parce que comme je vous ai dit, j'entends des bruits bizarres la nuit, j'entends plein de trucs comme ça. Et cette nuit je me suis dit quoi, je me suis dit qu'on va pas faire comme les autres nuits. Cette nuit il va vraiment falloir que je surveille la maison. Alors du coup je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, parce que ces derniers jours il y a eu des phénomènes étranges. Alors pendant la nuit je me suis réveillé le matin avec des verres simplement qui s'étaient cassés. Alors du coup quand je dis verres cassés, c'est réellement des vitres qui sont cassées pendant la nuit. Et même moi ça m'a réveillé pendant la nuit. Et je suis allé voir qu'est-ce qui se passait et les vitres étaient réellement cassées. Alors c'est à dire que je sais pas si c'est forcément... Après ça se trouve c'était quelqu'un hein, simplement qui est venu à la maison et qui s'est dit que bon, il allait les casser et tout hein. Ça se trouve qu'au final les amis il n'y a rien d'étrange ou rien de paranormal, mais c'est simplement qu'il y a un mec un petit peu fou qui se balade et qui veut m'embêter. Je sais pas, donc du coup bah n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous qui est-ce que ça peut être qui ferait ça, si c'est déjà une force ou un truc surnaturel, ou alors si c'est peut-être quelqu'un qui veut m'embêter. Bref, du coup je sais pas qui c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis du coup voilà. Bon, en tout cas les amis, juste avant qu'on commence plus particulièrement la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre aussi un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Donc voilà, dès maintenant je vous invite tous à mettre un like. Si on arrive à avoir 1000 pouces bleus sous cette vidéo avant minuit, je vous préparerai une partie 2 très prochainement. Et puis si vous voulez, je vous ferai même une vidéo dès ce soir si jamais ça vous dit. Et donc du coup je vous ai expliqué alors qu'est-ce que je compte faire dans cette vidéo. Et ben en fait dans cette vidéo ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer pour la nuit. Alors quand je dis que je vais me préparer, c'est à dire que je vais acheter des armes, je vais acheter tout ce qui pourrait être fait pour qu'en gros je puisse je vais acheter des trucs pour me préparer à une potentielle invasion, parce que c'est possible qu'il y ait des trucs qui se passent. Alors du coup on va acheter des armes, des protections et puis voilà. Bon du coup c'est parti les amis, on se rend directement du côté de l'armurerie qui est située juste ici. Alors ça va, elle est pas très loin donc on peut y aller tranquillou, donc c'est parti direction l'armurerie. Et puis voilà, donc on va partir en direction de cette petite jolie armurerie. J'espère en tout cas que quelqu'un est là. Oh, et bah les amis c'est parfait, en plus on a un vendeur. Alors les amis en plus c'est un... Ok, donc je sais pas c'est qui, je vais lui demander qui c'est. Bonjour. Bonjour messieurs, comment est-ce que ça va? Oh, mec attends, mais t'es pas Franklin dans GTA toi? Oui, je suis Franklin dans GTA. Oh les amis, regardez-moi ça, je suis avec Franklin dans GTA. Donc voilà, je suis vraiment content, en plus il a l'air vraiment gentil. Ok, bon, monsieur Franklin, je t'explique aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire. Alors en gros, hier, avant-hier et encore avant-hier, j'ai eu des problèmes à ma maison. Et en fait j'ai l'impression que quelqu'un est venu pendant la nuit et a simplement cassé mes fenêtres. Il a volé ma nourriture dans mon frigo, etc. Et du coup c'est pour savoir, est-ce que ça te dirait que... Enfin est-ce que du coup t'as des armes pour moi, pour que ce soir là, ce soir je vais rester à attendre devant ma chambre, voir si quelqu'un rentre. Et si la personne rentre, et je vais lui... Tu vois ce que je veux dire? Ah oui monsieur, oui j'ai... Ouais, monsieur. Ok, bon du coup est-ce que t'aurais pas des armes s'il te plaît là, à me présenter là pour voir un peu? Ah oui, venez hein. Wouah les amis, regardez-moi ça. Regardez toutes les armes qu'il y a ici, wouah, il y en a de partout. Mec, mais attends, mais chez toi c'est l'armurerie. Enfin ouais, c'est vraiment une armurerie. Ok, bon je vais te dire qu'est-ce que je vais acheter. Alors déjà je vais acheter ça là, ce qu'il y a tout en haut. Ok, le casque. Ouais, j'ai acheté ça aussi. Oui, donc la protection pour le torse. Est-ce que t'en aurais pas aussi en diamant? T'as pas des pantalons en diamant? Oui, j'ai les pantalons en diamant. Ok, bon bah je vais prendre un pantalon en diamant. Et puis bah pour finir, bah tu sais quoi, je vais aussi prendre des bottes. Est-ce que t'aurais pas des bottes en diamant s'il te plaît? Oui, j'ai des bottes en diamant. Ok, bon bah les amis c'est parfait. Du coup je vais avoir un full stuff en diamant. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ok, bon on passe maintenant aux choses sérieuses. Donc du coup je vais prendre une épée. Donc tenez monsieur l'épée. Hop, je vais vous acheter ça. Allez, je vais vous acheter aussi un arc. Tenez. Et puis des... Ah oui, non, on va... Je vais t'acheter une arbalète. Tiens. Tiens, mec, une arbalète aussi. Et puis des flèches aussi, parce que j'ai pas de flèches. C'est vrai que sur moi, j'ai pas de flèches, donc... Ok, mais ça, c'est ailleurs, hein. C'est ailleurs? Pas okay. Ici, mais... Oui, oui, ah oui, d'accord, on va aller... Bah, allez, vous savez quoi? Allez chercher les flèches, et puis moi, je vous prépare l'argent. Il vous faudra combien, là, avec tout ce que je vous ai acheté, là? Bah ici vu que vous êtes en danger, je vais vous faire un petit prix, donc pour 180 dollars.
180$. Oh bah franchement les amis, c'est pas cher. Je m'attendais vraiment à un gros truc. Ok, bon bah 180$, c'est parfait. En plus j'ai des billets de 10. Donc alors attendez, on va lui donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Allez on est gentil, on va lui donner 190 parce que... Non, on va lui donner même 200, voilà. Donc tac, hop, 200, merde. Attendez les amis, parce que je viens de faire tomber tous mes billets. Attendez, donc on va lui redonner l'argent. Donc du coup on avait dit 180$. Alors du coup tac, on va faire ça. Voilà, là, il y a, les amis, regardez, bah là, c'est parfait. On va lui donner ça, là. On va lui donner ceci. Donc, il y a 210$. Hop, donc ça va faire 30 de plus. Ok, bon, monsieur, vu que vous avez été super gentil et tout avec moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai donné 30$ de plus. Ça vous va? Oh, merci, monsieur. Ah, merci. Bah oui, il n'y a pas de quoi. Bon, du coup, maintenant, bon, il faut que je récupère les armes, hein, parce que maintenant, j'ai une maison à aller chasser. Enfin, j'ai des personnes à aller chasser. Je sais pas d'ailleurs qui c'est, mais on verra bien, d'accord? Ok. Allez, bon, du coup, tac, on va récupérer tout ce que le monsieur a à nous donner. Hop, on va directement mettre ça sur nous. Ok, des flèches de faiblesse, d'accord. Et, ok. Bon, bah, merci beaucoup, monsieur. On pourra se revoir un autre jour. Bah, vous savez quoi, ce que je fais, c'est que je repasse demain pour vous dire, du coup, si j'ai réussi à chasser le monstre. Et puis voilà, d'accord. D'accord, monsieur. Allez, à la prochaine, monsieur. Oui. Allez, ok, bon c'est parfait les amis, comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à négocier pour choper donc du coup tout un équipement en diamant, une épée, un arc, etc. Et donc du coup vous avez vu ça, maintenant je suis totalement tout équipé pour le combat, donc c'est parti, on va directement au combat, on va aller voir si quelque chose se passe à la maison. Alors maintenant je vais vous expliquer comment on va opérer pour la maison pour voir qu'est-ce qui se passe. Oh, salut McFly, ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Y a un truc bizarre là-haut. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu parles de truc bizarre, tu parles de quoi? Genre, y a quoi? Bah, y a des monstres, je sais pas ce que c'est là. Ça des casse, monstres? Y a des attends, qui cassent. Mec, t'es sûr qu'il y a un monstre? Y a pas de monstre ici pourtant. Et si, je pense que j'ai vu un monstre. Oula, ok. Bon, tu sais quoi, McFly, je vais rentrer à la maison, je vais voir du coup s'il y a quelque chose, mais je crois pas qu'il y ait des monstres ici. Enfin, j'en suis vraiment pas sûr, hein. Si, j'ai peur. Ok. Bon, et bah, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir directement tout en haut s'il y a pas un monstre qui est caché quelque part. Bah, McFly, reste en bas, d'accord? Ok. Reste en bas, ok. Bon, bah, les amis, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir du coup au côté du grenier si un monstre est pas caché ou s'il y a pas un truc effrayant ou quoi. Alors, c'est parti, tac, on va aller se rendre directement au côté. Tout là-haut pour voir si un monstre n'est pas caché. Alors hop, on va passer par cet étage-là. Alors, là on est donc du coup dans la salle. Bah ok, bah là il n'y a rien. Ok, là c'est côté lit, côté bureau et tout. Donc du coup, voilà, là il n'y a rien. On va passer dans la douche, il n'y a rien. Dans le lit, il n'y a rien. Ok, bon on va monter au dernier étage. Donc là on est maintenant... What? McFly? McFly, c'est toi qui as cassé un truc? J'ai entendu du bruit. What? J'ai vu une ombre passer. Il se passe quoi là? What? Les gars, il y a un fantôme, regardez! Regardez, il y a une ombre ici là! Oh! C'est quoi ce bordel, les gars? Attendez, je vais me cacher là. What, les gars? Ok, je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si vous avez vu comme moi ou quoi. Mais j'ai cru voir un fantôme passer tout simplement. Alors, attendez. Je suis pas sûr que ce soit ça après, les amis. Hein. Je suis vraiment pas sûr. Oh! Les amis, il y a un fantôme qui est en train de tout détruire dans la maison, je crois. Je sais pas si vous... Oh, il est là! Il est là! Il me poursuit! Il me poursuit, les gars, il me poursuit! Vite, vite, vite! Ok, ok. Bon, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer par ici. On va fermer par ici, tac. Ok. Ok, nice. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de renforcer. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais me cacher dans ma chambre. Parce que là, on va dire que, bon, bah, je pense pas que le mieux à faire, c'est de s'aventurer en haut. Ce qu'on va faire, c'est que je vais m'enfermer directement dans ma chambre. Alors, hop, on va solidifier par ici. Hop, on va solidifier quand même pas mal, hein, parce que vous avez vu que là, c'est quand même assez mal protégé. Tac, voilà, comme ça, je pense que c'est déjà mieux. Là, on va être déjà plus tranquille. Ok, bon, comme vous avez vu, bah, je crois qu'il y a McFly qui a déjà assuré ici, bon, pour... What? Les gars, je sais pas pourquoi, j'entends du bruit, alors je sais pas si c'est moi qui panique pour rien ou quoi, mais... Non, les gars, non, le gars, le fantôme, il est en train de détruire ma maison. What? Ok, bon, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais me cacher sous le lit, parce que par ici, il y a un passage pour aller sous le lit, donc c'est parti, tac, attention. Par contre, ça va être dangereux, les amis, ça va être dangereux. Ok, bon, je vois rien, c'est ça le problème. What? Il a cassé le bloc en dessous de moi. Oh, non, vite, ma potion. Ok, attendez, les gars, je vais prendre ma potion pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe, parce que là, je vois rien du tout. Ok, bon, j'ai mis une potion.
Alors maintenant, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas s'il y a un truc en particulier. McFly, je l'entends plus parler, je sais plus s'il est là, je sais pas du tout s'il est là ou quoi. Ok, bon, ce qu'on va faire les amis, c'est que je vais essayer de faire une coupure, je vais essayer d'appeler McFly pour voir si je le retrouve pas, et moi je vous dis à tout de suite. Bon, les amis, ça fait maintenant quelques temps que je suis en train de chercher McFly, il y a absolument rien. Par contre, je sais pas si vous entendez, j'entends des sortes de petits bruits de pleurs. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un ou quoi. Il y a quelqu'un? Oula, les amis, je sais pas si vous entendez, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer, mais genre tout doucement, il s'entend à peine. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de voir s'il y aurait pas, tout simplement, s'il n'y a pas quelqu'un. Oh, les amis, on dirait qu'il y a une sorte de prison là-bas. Oh, il y a quelqu'un en plus. Ok, parce bon, que... c'est parti, on va directement aller voir qui c'est. Bonjour. Oh, oh. Coucou. T'es sûr que ça va? Oh, oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as fermé? Oh non, Annabelle! Non, 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 mais qu'est-ce que tu fais là? Non, 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 on n'avait pas dit ça, on n'avait pas dit ça! Oh les gars, je me retrouve avec Annabelle coincée dans une prison! Oh ok, bon, les gars, on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère qu'Annabelle ne va pas me tuer. Si vous voulez voir la suite de la vidéo, mettez-moi sous cette vidéo 1000 likes et abonnez-vous à la chaîne. Ok, Annabelle, je sais pas si elle est encore là. Annabelle? Oh! Oh!